Poussés par le vent, les bateaux remontaient le fleuve en se dirigeant à l'aide de leur puissant gouvernail, la Piotr, parfaitement adapté à la Loire. Ce gouvernail au safran très allongé permettait de manœuvrer des bateaux de plusieurs dizaines de tonnes dans des eaux peu profondes. En descendant le fleuve, le bateau est poussé par le courant. Il se déplace donc à la même vitesse que lui. Le gouvernail n'a alors aucun pouvoir directionnel. Pour déplacer le bateau latéralement et le maintenir dans le chenal, les mariniers utilisaient de grands bâtons de chêne ferrés, les bâtons de quartier. En plantant le bâton dans le fond de la rivière et en coinçant le bout dans les arronsoirs, on produisait un choc latéral qui poussait le bateau. Le procédé était brutal, mais très efficace. On pouvait ainsi déplacer le bateau d'une rive à l'autre. On appelait cette technique le bourneillage. D'autres manœuvres obligeaient à utiliser des outils bien spécifiques. Le problème se posait lors du passage des ponts. Les grands mâts des chalands, qui pouvaient faire jusqu'à 25 mètres, devaient alors être baissés. Un ingénieux système de haubans largables permettait d'abattre le mât. Une fois la voile baissée, on défaisait les aiguilles. Les aiguilles sont des pièces de bois effilées dans lesquelles passent les haubans, les cordes qui maintiennent le mât debout. Passée dans une boucle, l'aiguille retient le hauban par une simple clé. Une fois les aiguilles enlevées, on pouvait aisément abattre le mât à l'aide du guindat, le grand treuil horizontal des chalands de Loire.